Moi, c'est Charline, 27 ans. Moi, c'est Océane, 24 ans. On est toutes les deux manipulatrices en radiologie au Centre hospitalier mémorial de Saint-Lô. En tant que manipulateur radio, on est amené à faire plein de choses au sein de l'hôpital, mais c'est surtout nous, on fait de l'imagerie diagnostique. Donc on va chercher des pathologies, on fait aussi du suivi pour tout ce qui est maladie, fracture, cancer, on peut chercher plein de choses. Lorsque nous prenons en charge un patient, nous vérifions son identité. Ensuite, nous lui expliquons comment va se dérouler l'examen. Nous lui demandons avant s'il a des besoins particuliers. Nous essayons de le rassurer parce que des fois, c'est un peu stressant de ne pas savoir ce qu'on va faire comme examen. On est vraiment obligé d'assez rapidement pouvoir rentrer, enfin, qu'ils aient confiance en nous, pouvoir les mettre à l'aise et essayer de faire en sorte que l'examen, qui ne sont pas tous forcément très agréables, devienne quand même un moment le moins désagréable possible. C'est vraiment l'imagerie, une plaque tournante de l'hôpital. Pour le coup, on travaille avec tous les services, les médecins. On voit vraiment tous les corps de métier, on est assez central. Chaque patient quasiment qui passe par l'hôpital va à un moment donné passer par l'imagerie, que ce soit pour une radio, un scanner. Au sein du service d'imagerie, on est à peu près une trentaine de manipulateurs. On a aussi des secrétaires, on a aussi deux radiologues et deux médecins vasculaires, ainsi que deux assistantes d'échographie. On est une grande équipe, on est très soudés, il y a beaucoup d'entraide. Le fait qu'on soit beaucoup, ça permet aussi de changer, on ne travaille jamais avec les mêmes personnes. Pour notre métier, il faut être à l'écoute des patients, très organisé, avoir de l'empathie. On en apprend tous les jours, on n'est jamais rassasié de connaissances et il y a toujours des choses à apprendre et des choses à perfectionner aussi. À l'avenir, je me projette toujours à l'hôpital mémorial de Saint-Lô. On peut être référente en radioprotection. On peut aussi être référent étudiant puisqu'on peut avoir des étudiants à notre charge. C'est un métier qui est en constante évolution et qui nous permet de faire des choses vraiment très différentes tous les jours et de jamais s'ennuyer.